Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, le certificat européen opérationnel depuis jeudi dernier en soi, et vous avez dit à quel point c'est une victoire, un succès presque inespéré déjà. Mais vous l'avez rappelé aussi, il appartient maintenant aux États membres de jouer le jeu. Et quand je dis jouer le jeu, on entend bien entendu jouer collectif. Beaucoup de questions ont été abordées déjà, auxquelles je m'associe. Ce dont je voulais vous parler cet après-midi, c'est de la reconnaissance des certificats des pays tiers. On apprend, et vous l'avez confirmé aussi, que le certificat suisse sera homologué vendredi ou lundi. Qu'en est-il de tous les autres? Le Royaume-Uni, le Japon, Israël, tous ces États tiers avec lesquels nous entretenons des liens qui sont forts. Suite de ce principe de reconnaissance mutuelle qui nous est cher et de la fin des barrières à la libre circulation, ces 2 semaines obligatoires hors de l'espace Schengen, ces tests sérologiques qui restent très lourds. L'Union a rouvert ses frontières aux États-Unis il y a 3 semaines. La réciproque n'est toujours pas vraie et ça ne concerne pas que les touristes, ça concerne les familles, les conjoints, les enfants, les petits-enfants qui, pour certains, n'ont pas vu leurs proches depuis 17 mois. Où en êtes-vous de vos contacts avec l'administration de Joe Biden? Quand est-ce que cela va bouger? Merci, Monsieur le Commissaire.